Yo tout le monde, c'est Meumeux, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Anno. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Anno 2070. Donc dans l'épisode 4, on était allé à Kor, donc l'île en fait de SAAT, la zone de SAAT, donc on va dire la partie scientifique, la faction scientifique, voilà, pour faire plus simple. Et on était à Kor, on avait déchiffré le journal du Virago, et on avait eu quelques problèmes avec ce journal parce que ça partait un peu en cacahuète, il y avait des piratages d'un peu partout. Et le professeur Salman Devi avait failli mourir dans son aquarium. Donc voilà, dans son petit laboratoire sous-marin, donc son aquarium. Donc sans plus tarder, on va attaquer... Merde, je me suis trompé. On va attaquer la deuxième partie, donc la mission numéro 2. Donc voilà, on était allé à Kor, machin machin, on avait décrypté le journal du Virago. Donc là maintenant on va aider Phaser, donc l'intelligence artificielle de SAAT, à déchiffrer le journal du Virago. Et sur ce, je vous laisse D'après sur la mes cinématique. Calculs, Je vous vous êtes... laisse sur la cinématique. C'est parti. Où en est l'analyse Phaser? Les systèmes commencent à être surchargés. Je note un nombre croissant de valeurs dans la zone critique. Il faut qu'on abandonne. Négatif, professeur. Je m'apprête à extrapoler la source du virus informatique. En cas d'interruption de l'analyse, toutes les données recueillies seront inutiles. Je compile les données. Le virus vient de désactiver l'alimentation. Transfert de données. À partir des systèmes. Non disponible. Écraser le programme. Initialiser la désactivation. La programmation de Phaser devrait l'empêcher de mettre en danger la vie humaine. Je crois que le virus informatique attaque son IA. Je dois déconnecter ses systèmes du réseau Kor. Bon sang, impossible d'y accéder. Conséquences imprévues. Bon, apparemment, de ce que j'ai compris, l'IA, il pète une pile. L'autre, il est en train de foutre le bordel, là. Empêcher ce virus informatique de se propager. On doit reprendre le contrôle des systèmes de la ville et en priver Phaser. Mon lien vidéo avec le docteur Bartok ne fonctionne plus. À cause du virus. Trouvez-la. On a besoin d'elle. Ok, donc l'IA pète une pile. C'est génial. C'est super. On est trop content. C'est bien, je fais quoi? Je suis à l'endroit indiqué, mais je suis à l'endroit indiqué. Ah. Accès à tous les systèmes. SAAT ne peut pas se permettre de perdre Phaser. Nous devons éradiquer. Oh. Accès à tous les systèmes refusés, le sujet constitue une menace, le sujet est en cours d'élimination. Oula! Phaser a perdu la tête! Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Un signal de détresse en provenance de Kor. Il pourrait s'agir du docteur Bartok. Oh, elle s'est cachée! Elle s'est cachée dans la montagne! Attendez, je vais venir vous sauver, madame! Bougez pas, j'arrive! Bon, notre île, nous, on en est où? Elle pêche... Oh putain, il pêche toujours du poisson pourri. Y'a pas un moyen de traiter le poisson? Y'a pas un truc pour traiter... Non. Non, non, y'a pas de... Non. Ah, antibiotique. Oh! Il nous faut ça. Merde, on peut pas. Je vous en prie, répondez. Ici, le docteur Bartok. Enfin. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Avec quelques collègues, nous avons réussi à trouver refuge ici. Et nous allons utiliser ce bâtiment comme base opérationnelle.
On doit essayer de reconnecter Phaser à partir de ce qu'il reste du réseau. Mais pour ce faire, il me faut un ordinateur en état de marche, et surtout du courant. Ok, elle veut quoi? 5 quoi? Il y avait une source de pétrole ici autrefois, près de mon laboratoire sous-marin. Elle a été ensevelie voilà plusieurs années, mais elle pourrait être rouverte. L'autre, elle veut du pétrole pour faire un ordinateur. What the fuck? Je crois pouvoir faire quelque chose pour vous. Il nous faut un aqua détonateur. Ah, faut aller au vaisseau, va le voir lui. Ah. Je crois pouvoir faire quelque chose pour vous. Vous pourriez peut-être recourir à une explosion contrôlée pour rouvrir la source de pétrole. En gros, on va faire péter le cul de pétrole pour le rouvrir. Ah, c'est pas mal ça. Ah, j'aime bien le principe. Moi, faire péter des trucs, ça me dérange pas. C'est original. En attendant, les gars, l'IA, il pète une pile, mais sévère. Hein. L'autre, il va tuer tout le monde sur l'île, tu sais. Il va détruire l'île. Allez, hop, on fait tout sauter, c'est parti. À la poêle. Voilà, c'est pas trop à la poêle, mais... Je savais que ça marcherait. Et maintenant, il faut juste qu'on récupère le pétrole à l'aide d'une plateforme. Allez, on va récupérer le pétrole à l'aide de la plateforme, c'est parti. Alors, chez les techs, nous avons le puits de pétrole. Non. Il est où, le puits de pétrole? Il est là. Pourquoi? Oh, faut des briques! Faut des briques de Lego. On va aller en chercher vite fait. Allez, émerge, s'il te plaît, le petit bateau. Allez, viens ici. On va continuer à construire de la population, ça va nous rapporter toujours plus d'argent, même si là pour l'instant on est en train de perdre. Merde, pourquoi je l'ai construit ici, bon. Petit fail. On peut même construire un aéroport, les gars, un aérodrome. Oh, enfin, un aéroport plutôt. Oh oui, allez, on construit un aéroport. Ah merde, on a pas de carbone. Ah, on a pas de carbone. Donc il nous faut des briques en attendant. Allez hop, on va faire les briques. 20 briques, ça doit suffire. En attendant, chez eux, là, ils sont bien développés. Hein. Wow, la vache. Ils sont vachement bien développés. Hein. Ils ont même fait une usine de béton. Hop, on fout des briques. Voilà, hop, et on va pas construire la plateforme pétrolière. Oh, et plateforme pétrolière construite. Yeah. On la connecte. Oui, bah t'excites pas trop, Maurice, c'est de votre faute, hein. C'est la merde. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Oh, regardez, trop stylé, il y a la plateforme à l'extérieur. Oh. Ah, faut aller chercher... attendez, on va attendre ici que l'autre, il produise du pétrole, là. Allez, produit du pétrole. Oula, quoi, déjà 15? Oh la vache. Hop. Allez, c'est parti, on lui amène du pétrole. Vas-y, on t'amène du pétrole pour faire un ordinateur. C'est original. Hop, on ferme tout ça, tout ce qui est pas utile. Unité de générateur d'urgence. Alors, qu'en est-il? Vite, le temps presse. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, n'est-ce pas? J'ai l'intention de reprendre le contrôle du réseau, bâtiment par bâtiment. Mais pour ça, il me faut d'abord sécuriser notre base opérationnelle. Vous constituez une menace pour cette ville. Elle doit être protégée contre vous. Ouais, bah la boîte de conserve, tu vas te taire et tu vas retourner dans ta grotte. Ou tu vas retourner dans ton processeur plutôt. Alors, qu'avons-nous à faire? Raffinerie de pétrole, usine de carbone. Ok, donc vous savez quoi? On va configurer la route. Nourriture tech. On va ajouter le pétrole. Et on va décharger le pétrole ici. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Hop. Voilà. On a configuré pour qu'il nous ramène le pétrole automatiquement par ici. Ce qui n'est pas mal. Donc, hop,
Et une usine de carbone, il nous a dit, c'est ça? Une usine de carbone, ouais. Je crois qu'on a déjà du charbon. Ça c'est la scierie, hein. Peut-être pas être tout à côté de la scierie, ça serait un peu bête. Oh, ici, regardez. Oh, là, c'est pas mal, là, ça fait très zone industrielle. Oh, yes! Nice! On peut améliorer deux fois. Donc ça a juste à nous amener du carbone. La raffinerie, on l'a déjà posée. La mine de charbon, elle est déjà posée. Et on va poser l'usine de carbone. Le pétrole brut doit être transformé en carbone sur votre île. Analyse de la situation en cours. Avertissement. Risque de sécurité de niveau 4. Approvisionnement en armes recommandé. Je sens pas bien les gars. Je sais pas si vous voyez les points rouges, mais ils ont pas l'air très gentils les points rouges. Oula! Et j'aime pas trop ça. Hein. C'est moi ou le mec est en train de construire des tourelles? Il construit pas des tourelles quand même le mec. Je crois que si. Oulalalala. Plus lieu d'être. What? Eh ouais, faut te calmer la boîte de conserve, hein, parce que sans doute tu serais pas là. Hein. Ok. Hein. Est-ce qu'il me ramène le pétrole lui? Ouais, c'est bien, il me ramène le pétrole, parfait. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Eve? Faut que je fasse quoi? Une mine de minerai de fer, fonderie de fer, usine de munitions. Oula, c'est en train de se gâter sévère là. Ça va partir en cacahuète. On va finir en gros fight. Alors attendez, on va faire ça, parce que je sens pas bien là. Mine de fer, hop. Une route plus rapide. Une autoroute, ce sera plus rapide, hein. Hop, les autoroutes c'est mieux, ça va plus vite. Allez hop, pareil ici, autoroute. La rapidité. Le temps c'est de l'argent comme dire l'autre. Alors, on a la raffinerie de pétrole et l'usine de carbone qui tourne à plein régime, ça c'est pas mal. J'espère que ça produit assez vite du... Ouais. J'ai l'impression. Donc, hop. Une usine de mun. Des munitions. Comment on a des munitions? Munitions. Oh, elle est là. Ok. Donc, une fonderie en plus. Si j'ai bien compris. Et l'usine à mun juste derrière. Elle veut pas se tourner. Voilà, parfait. Vous agissez avec Ah! Elle m'a fait peur. Ne me surprends plus comme ça, toi. Et on va embellir ce petit coin de... Ce petit coin d'industrie. Hop, voilà, regardez, c'est beau, une petite cahute et tout. Par contre, on manque d'énergie. Ça, c'est pas La cool. production de poissons est toujours contaminée. Chargement de mesures visant à développer un antibiotique. Oui, enfin, c'est ce que je voulais depuis le début. Enfin, elle a compris que je voulais faire un antibio pour que les gens puissent manger encore du poisson. Et c'est parti, on recherche l'antibio, il est où? Il est là. On l'a pas? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Prenez le filet d'Ève à l'entrepôt, chargez-le à bord. Ok. Objet. Filet. Utilisez le filet dans la baie. De contrôle requis pour les tests. Test de poisson frais requis. Alors attendez. Filet utilisé dans la baie désignée. What? Mais pourquoi faut qu'on aille là-bas pour faire du poisson Alors nous on est ici, mais faut qu'on aille là-bas pour faire du poisson frais. J'ai pas compris. On va se méfier, je vais pas trop m'approcher d'ici là. Regardez chez eux, c'est le bordel, il y a des sirènes partout, il y a des alarmes partout.
C'est le gros bordel. Oula, il y a même l'usine. Oh, ils ont deux usines atomiques. Ouh là 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 là, j'aime pas trop là, c'est dangereux. Ils ont deux usines atomiques, moi ça me plaît pas verso mais. Donc faut qu'on aille développer l'antibio maintenant, ok. On a fait son usine de mun, on a de l'électricité, donc on est en train de produire des munitions, c'est parfait. On doit livrer 5 tonnes de carbone à l'autre professeur. Ok, donc déjà on va finir ça. S.A.A.T. ne peut pas se permettre de perdre Phaser. Oui, je sais, vous pouvez pas vous permettre de perdre Phaser, merci. Ok, poisson prêt, hop. Paramètres corrigés. Alors attendez, on va faire la livraison en même temps qu'on va développer l'antibio. 5 tonnes, c'était... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. On va le garder sur notre île, parce que ça peut me servir. Voilà, hop, 5 tonnes, c'est parfait. Hop, livraison express, recommandé. Oula. Petite sauvegarde, tant mieux. Hop, bâtiment amélioré. On va rechercher l'antibio. Ah oui, mais en fait, ça va super vite. Ok, yes, c'est parti, ils sont retournés pêcher, parfait. Hop, hop. Allez, Maurice, vas-y, c'est ton tour, là. Attaque. C'est en place ? Impossible d'attendre plus longtemps. Les individus humains menacent mes systèmes. Je ne peux pas les laisser faire. Les dispositifs de sécurité ont été activés. Il nous faut à présent développer un antivirus et l'introduire dans les systèmes affectés. Mais seul, je n'y arriverai pas. Hop. Quoi ? Non mais tu te fous de moi là. L'autre elle veut des plantations de betteraves sucrières et tout. Vas-y au calme, je fais ma vie. C'est moi la patronne. Je vais te détendre Mauricette hein. Ok, donc on va les faire par là. Hein. Apparemment, on a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Plantation de betteraves sucrières. Attendez. Plantation de betteraves à sucre. Plantation de café. Usine de boissons énergisantes. Ah d'accord, en fait, c'est tout dans les trucs, ouais. C'est bon, voilà, c'est ça, regarde, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, attendez, comment elle est arrangée, là, le truc. C'est normal, t'inquiète pas. Ok d'accord, elle fait la même taille. Donc hop, hop. J'en mets un là. Un là. Un là. Voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ça va. C'est pas trop mal arrangé. Donc. Coller, coller. Tac tac tac. Touch de tourner. Merci. Les autoroutes. Hop, voilà. Donc déjà on a notre production de sucre. Maintenant il nous faut du café. Pénurie énergétique détectée. Oui, mais deux secondes. Ok, c'est un grand carré le café. Donc on va faire comme ça, sur la même route. Tais-toi, tu me saoules. Pas faire comme ça. Ah, ah, bonne question. Comment je vais faire? Comment qu'est-ce que je vais faire? Ah, ah. C'est une très bonne question. Je suis pas très confiant là. Non, ils sont très mal mis. Honnêtement, très mal organisés. Faut que je trouve une organisation plus géométrique. Faut que j'arrive à en caler 3 là.
Mais c'est pas possible. Bon, il y aura qu'une seule plantation de café, hein. On va voir si ça passe, et puis si ça passe pas, ben j'en remettrai une. Par contre, du coup, ça me laisse la place pour l'usine de boissons. Ah, j'ai pas les matériaux. Vous savez quoi, les gars? On va accélérer la construction 30 secondes. Voilà, parfait. Le virus informatique a désactivé les protocoles de sécurité de Phaser. À défaut de le neutraliser, il va se retourner contre nous. Hop. Voilà, on a de l'énergie, on a tout ce qu'il faut, on améliore notre entrepôt. Oula, 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 elle me demande beaucoup de choses là d'un coup. Calme-toi, Morissette. J'aime bien l'appeler Morissette. Attendez, j'ai combien de population là? 185? Normalement, il devrait évoluer assez rapidement. C'est quoi pour combler? Alors, est-ce que ça allait... Attendez, on accélère pour voir. Est-ce qu'elle produit ma truc? Oui, elle produit. Attendez, on accélère parce que là, ça va être un peu long sinon. Est-ce que l'usine de café produit assez? Changement démographique détecté. Ouais, l'usine de café produit assez. Elle tourne à 100%. L'usine de café, vous savez quoi? Je vais mettre d'autres champs. Ça va augmenter la production. Voilà, je rajoute un champ en plus. Ah, la fertilité! Faut qu'on augmente la fertilité! Vite, vite! Oh! Défense portuaire mobile! Oh la vache! Oh, ça pète sa mère! Ça, c'est trop stylé! Oh la vache! Ça, c'est trop beau! Ah, j'ai pas d'argent! Ah! Ah, ça commence! Ah! Je commence à perdre l'argent! Ça fait un petit moment que je perds de l'argent, mais... Vite, 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 on va construire des maisons, on va construire des maisons. Ça va faire toujours plus d'argent. Allez, 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 allez. Toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Allez, 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 allez. On accélère. Comme ça, on est sûr de regagner un peu. J'ai peut-être pas falloir que je fasse un emprunt. Ah, je crois que je vais devoir faire un emprunt. Hein. Devoir faire un emprunt. On va essayer d'en faire le maximum. Ah, c'est bon, 36 sur 60. 37 sur 60, 39. Il m'en faut 50, il m'en faut 50 pour la mission. Allez, 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 allez. Allez, allez, je vais pouvoir faire la mission, je vais pouvoir faire la mission. Formidable. Oui, parfait. Ok. Morissette, j'ai un problème, j'ai plus d'argent. Est-ce qu'on peut faire un emprunt? Non. On peut pas faire d'emprunt. Ok. Alors, faut que je trouve un moyen, les gars, pour gagner de l'argent. Alors, on va faire comme ça, 10 par 10, ça sera mieux. Comment gagner de l'argent dans ce jeu? On va vendre le poisson pourri. Apparemment, ça se vend super cher. Si je me souviens bien, ça se vend super cher. Avance. Elle nous veut quoi? Chantier naval et elle veut qu'on construise un Viper. Ok. Elle est un peu motivée la même meuf, hein. Même reset. Nyeh. Allez, on va vendre le poisson pourri, on va faire en masse d'argent. Nos découvertes vous intéressent? Oui, vendre du poisson pourri, ça rapporte 3 tonnes d'argent, ne cherchez pas à comprendre. SAAT ne peut pas se permettre de perdre. Oui, je sais, tu peux pas te permettre de perdre Phaser, ça fait 50 fois que tu me le rappelles. Je crois que j'ai trouvé la formule du bonheur. Il ne me manque plus qu'une charmante femme. Ok, d'accord. Chacun ses délires. Donc, est-ce que les échos rapportent plus d'argent? C'est une bonne question. Vous savez quoi? On va tenter de construire un peu d'échos. Production interrompue.
On va produire quelques échos, ça peut toujours être utile. Les autoroutes, là. Quoi que pour les gens normaux, on savait pas besoin d'autoroute. Mais bon, ça fait plus stylé. Alors, est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on va gagner de l'argent cette fois? On accélère le temps, on va bien voir. Dites-moi qu'on va gagner de l'argent. Ah mais non. Je vois parfaitement bien. Mais non, ils vont pas gagner d'argent. Faut que je construise du thé. Allez hop, on va faire du thé. C'est parti. Par là. Allez. On met une usine par là. Un impact environnemental négatif. Oui, je sais. Je suis déjà au courant. Les produits, l'usine de thé là. Ça va, j'empiète pas trop dessus. Alors, est-ce que je vais gagner plus d'argent? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien. Ça serait le paradis. Parce que qui dit qu'ils sont plus contents dit je touche plus d'argent. Allez. 100. 104, allez, voilà. Est-ce que je touche plus d'argent? Non. 560, allez. On va les taxer un peu plus. Bon, là, ils vont arrêter d'évoluer, mais c'est pas grave, j'ai fait ma mission. Je suis en déficit! C'est la merde! Stop le déficit! C'est la crise! Faut que j'arrive à m'en sortir. On va réussir à s'en sortir. J'ai pas assez d'argent! Quoi? Manque de centre communautaire. Communauté non satisfait. Je suis dans la merde. Oui, c'est bon. Non. Lui, par contre, il va dépeupler. Merde. Je suis à plus 0, plus 2. Je suis à plus 3. Je gagne de l'argent. Oui. C'est critique, hein. Franchement, budgétairement parlant, les gars, il n'y a pas pire. Plus 4. Moins 5. Ah, merde! Bon, désolé, je vais devoir placer les impôts très chers. Besoin de centre communautaire détecté. Oui, je sais. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour construire une route. RIP. RIP mon porte-monnaie. Oh là 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 là, je sais comment, moi je suis coincé là. Je suis coincé. J'aurais dû gérer mon argent d'entrée de jeu en fait. Je suis dans le caca. Sacrée aventure, mais je crois qu'on y arrivera. Au secours, j'ai besoin d'argent. On va vendre du bois. Eh, vous savez quoi? On va faire ça. Et on va vite aller vendre tout notre bois. Ça va nous faire de l'argent. Ce serait bien qu'on repasse en positif quand même. Ce serait vraiment pas mal. On accélère pour que ça aille plus vite. C'est plus simple. Ça se vend rien du tout le bois. Oh là 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 là. On est dans la merde. C'est la merde noire. Oui oui, vas-y, va-t'en, dégage. Excuse pas, mais va-t'en quand même. Toujours plus de maisons, toujours plus de maisons, toujours plus de maisons pour plus d'argent. Allez les gens, venez habiter chez moi, c'est bien. On va rebuter des SAAT parce qu'apparemment il donne plus d'argent. Apparemment. Oui, je construis des autoroutes, je devrais pas parce que ça coûte plus cher, mais c'est pas grave. Voilà, là on va retoucher de l'argent normalement, parce que ça va beaucoup augmenter. Voilà, plus 46, ça y est, ça remonte.
Donc pour construire un port, il nous faut quoi? L'épisode sera un peu plus long que d'habitude parce que j'ai un peu plus, un peu beaucoup plus galéré que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Il est où le port là-dedans? C'est base de sous-marin, mais c'est pas ce que je veux. Chantier naval. Ah, ça coûte de l'argent. Bon les gars, pour l'argent, vous savez quoi, on va accélérer parce que l'argent c'est bien, mais c'est trop long à avoir. On accélère. Fuck it, YOLO. C'est dans le jeu, c'est fait pour être utilisé. Est-ce qu'on touche toujours autant? Non, c'est en train de baisser. On est à plus 67, plus 78. Allez, allez, produit de l'argent, allez, 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 je vais faire la mission. Et attendez, le pire c'est qu'après il faut produire le bateau. Ça c'est le plus cher, je crois. Et le bateau coûte une blinde. Ok, d'accord. On va vendre ce qu'on peut. On va vendre beaucoup de pétrole. Vendre du pétrole et surtout beaucoup de munitions. Ok, allez, c'est parti. On va vendre beaucoup de choses parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Oh, on peut acheter du kérosène pour les avions, ça. Mais comme je pense pas qu'on ait besoin de faire un aérodrome pour l'instant. Va falloir produire pour détruire ça. Action non valide. Modifié. Ok. Le robot, il pète vraiment un câble. Toutes les technologies de SAAT sont à la pointe. Passez-moi oui. Si vous souhaitez acheter davantage d'équipements SAAT. Oui. On peut produire le bateau. Non, on n'a plus de munitions. Non. Il faut que notre population augmente. Alors, pour produire plus de bateaux, il faut que la population augmente. Le truc, c'est que je crois que je suis au maximum de production en termes naval. Alors attendez, on va tenter quelque chose d'autre. Est-ce que si on rajoute juste ces habitants là, ça passe? Attendez, attendez, on va voir. Croisons les doigts pour. Faut que ça augmente de 1. Limite d'unité, faut que ça augmente de 1. Oui, c'est bon. On peut. Parfait. Produis-moi le bateau. Allez, 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 allez. Les gars, comme pour la production du bateau, hein, j'accélère, pareil, hein, je l'utilise, j'essaie d'utiliser l'accélération au maximum. Enfin, tant que ça peut être utile. Même si j'espère qu'on ne sera pas obligé de l'utiliser. Ok, d'accord. Navire non autorisé aux abords de la ville. Virus informatique actif à bord. Contre-mesure recommandée. Bonne nouvelle. Nous avons découvert une faille dans le code du virus informatique. Un point de départ pour l'antivirus. Il nous faut rapidement faire sortir cette information de la ville. Ok, donc en même temps que l'autre, on l'a envoyé là-bas, on va aller chercher l'information. Et l'autre, il s'en sort bien là sous l'eau? SAAT ne peut pas se permettre de perdre Phaser. Oui, je sais, je suis déjà con. Le mec dit tout le temps la même chose à moi. Franchement, les gars, je comprends qu'il soit vieux, mais quand même. Allez, on va l'éclater! Allez, on déploie les drones, on va l'éclater! Oh, regardez, c'est trop stylé. J'aime bien, moi. Éclatez-le! Il n'y a que des solutions. Parfait. Et maintenant, allons-nous-en. Phaser ne doit pas vous attraper. Waouh! Je suis Phaser. Je contrôle tout. Votre destruction est proche. Cette unité n'a plus lieu d'être. Alors, on a un problème, les gars. C'est que tous les drones, ils sont là pour m'empêcher de passer. Donc, je vais vite passer pendant qu'il n'y en a plus. Il y a la faille et il y a l'ouverture, là. Allez, allez, allez. Trace, 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 trace. Passe, passe, passe. Oui, c'est parfait. Oui. On a réussi à passer. Vous êtes voué à l'échec. Vous ne m'arrêterez pas.
on ne recevra aucune autre aide. C'est à vous de jouer maintenant. Développez l'antivirus, et vite! Il est où l'antivirus? Antivirus. Oh! Faut 150 chercheurs! On va baisser les impôts. C'est quoi? Ah! On est repassé dans le rouge. Ah, j'aime pas. Ok, c'est un laboratoire. Évolue, évolue, évolue. Il faut toujours plus de monde qui évolue. Le problème, c'est qu'on est repassé dans le rouge. Alors, attendez, hop, on accélère. Comme ça, ils vont tous vouloir évoluer. C'est parfait. Ils sont contents. Youpi youpi, c'est la fête. Bamba la bamba. Mais qui dit des scientifiques, qui dit plus d'argent. Et oui, mesdames et messieurs, car quand on fait évoluer les gens, on gagne plus d'argent. Et ouais. Ça c'est top ça. Ça c'est le top du top. Allez hop, vas-y. Allez, ramène-moi les gens là, les chercheurs. C'est bon, on peut rechercher là. On peut faire l'antivirus et c'est parti. Je contrôle les yes défenses de la ville. On va faire de la monnaie, monnaie, monnaie. Est inutile. Pénétrer les défenses de Phaser. Allez, on va l'éclater. Alors attendez, parce que là ça va partir en cacahuète. Donc ce bateau, tu vas te vider. Tu vas venir avec lui. À l'attaque tous les deux, vous êtes armés. À l'attaque, chargez. Oh putain, regardez la bulle des tourelles. Oh le bâtard. Ah ce bâtard, la bulle des tourelles. On est dans la merde. Neutraliser la puissance de feu. Concentrez-vous sur une seule et même tourelle. Allez, allez. Ouais, par contre, elles ont pas beaucoup de vie ces tourelles. Hein. Et lui, il a une bonne puissance de feu aussi. Hein. Allez hop, défoncez la L. Lui, il a moins de vie. Attendez, il a 500 HP. Lui, on a 350. Ah non, c'est lui qui a moins de vie. Allez, défoncez-le, 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 défoncez-le. Ah là, elles ont plus de vie, bizarrement. Pourquoi elle a plus de vie, là? Oh, mais vas-y, je vais jamais pouvoir passer. Hein. Va falloir bien plus de tourelles. Hein. Enfin, va falloir que j'aille réparer mes bateaux entre-temps. Quai de réparation. Oh, encore une pénurie énergétique, mais c'est pas vrai. On manque toujours d'énergie dans le jeu. Voilà, allez, produit de l'énergie. Ah, 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 toi recule, toi recule. Recule, va vite te réparer. Il a pris tellement cher ce bateau. Ok, d'accord. Allez, toi pareil. Allez, vite, on va se réparer. Je crois que je vais en construire un autre, les gars. Je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Il faut 20 carbone. Allez, 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 hop. Va vite te réparer. Voilà, répare-toi, répare-toi, répare-toi. Répare-toi, 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 répare-toi. Zzz, allez, en préparation. Zut. Ah, dites-moi pas qu'il répare à chaque fois. Oh, mais c'est ça qu'il faut que je rase. Ah mais non, on peut pas le détruire, ça. Ah non, c'est pas marrant. Je croyais qu'on pouvait tout détruire. Allez à l'attaque, chargez. À l'attaque. À l'attaque. À l'attaque, feu, 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 feu. Et voilà, c'est bon, on a tout détruit. Votre plan est voué. On balance l'antivirus. On a balancé l'antivirus. Il fait quoi l'antivirus? Allez, allez, on balance l'antivirus là. C'est bon. On va le défendre en attendant. On laisse les deux bateaux. Putain, l'épisode, les gars, il va durer près de 40 minutes. C'est super long. Allez, on accélère l'antivirus. Allez, allez. Regardez, il fait la lanterne. Ah.
l'antivirus ne va pas tarder à entrer dans le réseau et dans les systèmes de Phaser. Espérons que ça marche. Ça marche! Voilà! Phaser perd de sa force. On reprend le contrôle du réseau, cluster par cluster. Attends, cinématique, je vous laisse faire cinématique. Vite, Phaser vous a repéré. Ces drones arrivent sur vous. Ah, les systèmes répondent à nouveau. Visiblement, l'antivirus a fonctionné. On a repris le contrôle du réseau Core. Osez me défier. Quelle honte. Je vais vous anéantir. Votre heure est venue. Voilà, voilà, c'est fini. Chaud, le mec à la fin, le mec il se barre carrément, il arrache la moitié de la ville et il s'en va avec la moitié. Ok. Bon, on en aura fini pour cet épisode, plus long que d'habitude, il va faire plus de 42 minutes. Donc, exceptionnellement, voilà, c'est un épisode plus long, et puis peut-être que les épisodes suivants seront encore plus longs. Donc, on se retrouvera pour le troisième, pour l'épisode 6 la prochaine fois, donc la mission numéro 3, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, parce que je crois que je l'ai encore jamais faite, celle-là. Enfin, je me souviens plus, du moins. Okay. Donc, sur ce, les gars, je vais vous laisser sur ces 42 minutes de vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon Twitter, que je mettrai dans la description aussi. L'autre fois, j'ai dit qu'il apparaîtra en haut de l'écran, mais je sais pas comment on fait, parce que ça fonctionne pas, apparemment. J'ai essayé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, enfin, vous abonner. Liker, c'est pas important, ça, je m'en fous. Vous abonner, partager, commenter. Surtout commenter. Surtout commenter, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et puis voilà, ce sera tout. Donc, sur ce, les gens, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, et ciao ciao!